C'est qui a déclaré? Ok. C'est intéressant, ça, comme nouvelle. Le problème, c'est que c'est eux, Jalawar. Ah. Ok, je vois. Donc, il n'y aura pas forcément besoin pour eux de se battre énormément contre Vijay, fondamentalement. Ce qui peut être un peu... poser problème. Yes, 15 heures de légalisme. Yes, please. On a trêve avec Timmy. Ouais, t'es gentil. T'es mignon tout plein. Quinze vers le légalisme. Les oulémas gagnent la loyauté et la puissance missionnaire est augmentée, ce qui ne sert à rien pour le moment. 15 encore. On peut pas faire ça de toute façon. Vas-y. Pas moins 97. 97, c'est très bien. Le coût des technologies est dramatiquement baissé. Cool. Super. Oh yeah! Ils sont en train de bouffer Katmandou! C'est beau! Ils sont en guerre contre qui? Katmandou, Bengale et le Tibet. Delhi. Ok. C'est quoi l'idée? Gorkha dans la purge Gorki de l'hérésie en Katmandou. Yeah! Effectivement, je pense que ça va être le Caribob. Enfin, s'il y a. Et pas complètement handicapé, ça devrait être le cas. Ah, moins 11, province occupée et assiégée. C'est bien, Barmanis. C'est bien, bon, Barmanis. Allez, Barmanis, Andra, tu nous fais la même. On y va, on commence à aller s'occuper du Vijay. Je suis sûr qu'il y a moyen de moyenner. En plus, nous, on s'aime bien. On va bientôt passer au-dessus de 100. Allez, on est des potes, Vijay. On est des potes, Vijay. On veut que tu te fasses occuper, mais on est des potes. Regarde, améliore ton attitude vis-à-vis de nous. Je pense que au bout d'un moment j'aurais attaqué de toute façon, ou j'attaquerai, hein, parce que c'est peut-être possible que ce soit encore le cas, hein, j'attaquerai de toute façon. Je tenterai, parce qu'il faut qu'on avance. Mais là, vu qu'il y a vraiment réellement cette possibilité. Ah mince! Ils ont regagné de leur réputation diplomatique, mais war. Goddammit, c'est terrible quand même. Ça ne veut pas, hein. Ouais, surtout que là, il a l'air d'être d'aller dans cette direction, c'est ce qu'il cherche. Ok, bon, on n'a pas de dépendance, donc OZEF. Oh god, que c'est relou, c'est terrible. Allez. Bah, laisse le zip pour le moment là. Faudrait qu'il perde une ou deux batailles, qu'il se fasse stack wipe un truc, ce serait pas mal. 10 de prestige, modification locale d'impôt à Calat de 60%, mais coût de développement provincial baissé. Ou alors coût de développement provincial augmenté. Gain de 10 de prestige, c'est pas horrible, hein. Faut voir ce que c'est cette province de Calat, si ça a un intérêt quelconque ou pas. Contrée ou province? En Calat, province. Bon, c'est pas mal, hein. Ça fait quand même 0,4 d'impôt. Non, c'est un peu embêtant. Je peux. Non. Surtout que. Tout le reste, on s'en fout un peu. Bonsoir, Frog Crusher. Bienvenue sur le live. Alors. J'en doute. Non, il nous déteste. Donc, non. Mais c'est un très très bon raisonnement, cela dit. Malheureusement, non. Je peux même pas. Je peux pas essayer en fait. C'est dommage. Mais effectivement, j'ai pas pensé à ça. Mais bon, ça peut vite monter, hein. Ils se font prendre un fort, ils se prennent un stack wipe, des dettes. Ça peut vite monter. Ça devrait pas être une guerre facile. Je rappelle que c'est Barmani qui a déclaré la guerre. Je pense que le truc qui peut être le plus problématique pour nous, c'est qu'ils finissent avant. Mais ils vont vouloir une full annexation. Je doute que les gars se laissent tromper, quoi. Et Timmy. Ah, Timmy, t'es encore en train de te battre contre des rebelles. T'es terrible, Timmy, quand même. Bon, il y a moins de dettes.
J'hésiterais presque à lui donner 500, cela dit. Le problème, c'est qu'on n'est pas, pas non plus richissime. Hein. Puis en plus, on doit un peu guetter une occasion, donc on peut pas vraiment arrêter de prendre des trucs. On n'a pas de marchands, hein, donc on peut pas leur demander de l'aide. C'est un peu embêtant. Deux, trois, trois. Ok, c'est mieux. Ah, est-ce qu'on a des autres lettrés à aller chercher? Coup des tech admin. Bon, coup des tech admin, c'est vraiment OP hein, pour nous. Bon, ça nous a coûté des points admin, ça dit. Bon, tant pis. Ok. D'accord. J'allais dire que ça peut être utile, je suis pas sûr. Là, il y a deux provinces déjà qui sont occupées. Allez, il faut que Jalawar tienne. Ou alors, il faut qu'on déclare maintenant, hein, pendant qu'ils sont en guerre contre Barmanis et compagnie. Je rappelle que l'idée, c'est de prendre une seule province de Mewar. Moi, je pense que c'est faisable. Surtout que c'est de loin pas la plus dure. Je pense que si on déclare la guerre maintenant, qu'on arrive à faire peut-être un petit stack wipe de Mewar, ça peut être intéressant. On n'a pas beaucoup de ça. On peut pas redemander un général. Ça peut être effectivement intéressant. Maurice Allais, merci pour le follow, ça fait plaisir. C'est vrai que ça peut être simplement intéressant, ça. Mais le problème, je veux bien croire qu'ils sont en train de gagner la guerre, c'est pas un souci, je pense que cette guerre peut durer, c'est possible. Le seul problème, c'est que c'est lui le chef de guerre. Et lui, bah, ça, un moins 3, ça va quand même. Mais il aura quand même vite une grosse... Ouais, je sais pas. Parce qu'actuellement... Ouais, garçon, il a plus 3. Vijay, bien sûr, il a plus 20, y a pas de souci, hein, c'est clair. Et il est en train de faire assiéger ça. Bah, c'est pas un siège, en fait. Le truc, c'est, est-ce qu'on peut se permettre d'attendre? Je rappelle qu'on a plus de 14 ans. Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre? Alors que là, en l'occurrence, Vijay, pour passer, il doit passer tout Barmanis, et nous, tout ce qu'on veut, c'est une petite province ici. À mon avis, ça peut le faire. Non, ça sert à rien. Un, deux, quatre, un et deux. Ouais. À mon avis, ça peut le faire. Ça marchera pas, ça suffira pas. Je peux pas rembourser Timmy. Gardons Timmy de côté pour le moment. Je pense que c'est pas nécessaire. Oh, le problème, c'est qu'il faudra que je donne quelque chose à Kalinjar aussi. On l'attente. Le 20 août. Ah, c'est pas malin, hein, pour le coup. Ok. Alors. Ah bah ça va, j'ai perdu 8 bateaux, tranquille. Ok, je sais pas où sont les gars, par contre. Oh là. Ah, shoot. Tu vas où, du coup? Ok. T'as quoi comme général? 3, 2, 1. Ok, c'est pas mal. On est quand même nettement plus que toi, donc ça devrait le faire. C'est quoi, mes war? C'est quand même des collines. Et en plus, c'est une longue... Ouais, voilà, c'est un peu ce que je craignais. Ok. Le gouvernement doit se stabiliser. Oh god. Ça fait mal. Ok. Bon, une bataille. C'est bien. Nous, ce qu'il nous faut maintenant, c'est occuper ça. Et ça. Et un fort dans la région. Ok.
Ok, ça c'est fait. Score de guerre, objectif de guerre. L'allié assez, je sais qu'il a un vassal, ce gland. Ok, nous on va aller occuper ce fort-là. C'est la capitale en plus, c'est parfait. On est d'accord qu'on veut pas grand-chose, je le redis, on veut ça. Prêterait 22 confiance avec ça. Ok. Bon, ils ont 41% pour le moment. Ok, d'accord, moins 83. Il nous faut plus de score de guerre que ça. Il viendra le score de guerre, mais bon, le problème c'est qu'ils vont aller reprendre ça. Il faut qu'on prenne déjà un fort. Ce serait une bonne chose à mon avis. Non, ça on garde les points. On peut par contre prendre discipline plus 1. Ça peut être intéressant. Ok, lui il fait du bon taf. C'est bien. Continue. Nous, il faudrait qu'on fasse la même chose. Si on prend ça, ça peut le faire. Vijay qui arrive. Ça, c'est pas bon, par contre. Pourquoi Vijay arrive là? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, quoi. Ça a vraiment pas de sens. Qu'est-ce qu'il fait là? Frog Crusher, j'ai fait une World Conquest avec... les Mogols, après les avoir formés, enfin un truc assez simple. Et c'était. Il y a une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs, à ce propos, si jamais. Bon, ben voilà. Je pense que c'était assez juste de tenter, mais. Ah bon, ok, je pensais que mes wars arriveraient suffisamment à temps, donc c'est bien, on a fait, et on prend le truc, ok, très bien. Plutôt un bon dénouement finalement pour ce qui était quand même quelque chose d'un peu compliqué, mais c'est bien, très bien. Ok, on va pas aller plus en dedans pour cette histoire-là. Toi, tu fais du bon taf, continue comme ça, mon gaillard. De notre côté, on va essayer de voir si on peut pas aller faire un autre fort dans la région. C'est quoi comme type de fort? Colline aussi. Ok, puis on va voir ce que ça donne. C'est quoi comme fort ça? Colline aussi. Ça peut être intéressant d'essayer d'aller en profiter. Vijay est vraiment complètement full chez nous, quoi. La guerre contre Armanis n'existe plus. Ouais, c'est quand même un peu un grand classique ça, hein. On aurait pu s'y attendre, je le reconnais. Cela dit, qu'est-ce qu'il faut à Vijay pour qu'il sorte sur de la paix blanche? Pas des milliers de trucs, hein. Je pense que quand ils seront bien, bien occupés par là, ce sera peut-être même possible de les faire sortir sur une paix blanche en n'occupant que dalle. Je sais pas si on arrivera à faire ça. Non, on va pas arriver à faire ça. Non, on va pas arriver à faire ça, faut qu'on se casse. Là, c'est pas bon non plus. Elle ignore pas complètement les forts, Ribob. C'est que c'est juste que tant qu'elle peut passer par un endroit quelconque, hein, si la ligne de fort est pas suffisamment, enfin, est pas complète, elle peut passer n'importe où. Ok, c'est quoi ici? Ouais. Peut-être. Ouais. Ok. Pour le moment, cassons-nous, attendons que Vijay soit sorti de la guerre. Timmy, tu nous laisses passer? Je pense que c'est déjà le cas, non? Ouais, c'est carrément le cas. Non, là, comme ça, ici. Hop. Pour le moment, c'est tout ce qu'on veut, c'est que Vijay se fasse la malle. Exhorter au bien et s'opposer au mal. Légalisme ou mysticisme? Je crois que la question est relativement claire, mais on est déjà à 100%. C'est dommage, on peut pas cliquer. Pas avant 48. Eh, pas avant combien, 48? Non. Donc, ne prenons pas de mysticisme. Et on me dit que Kalinjar se dirige vers Vijay. Kalinjar fait du très bon travail à Vijay. Et Vijay est faible. Vijay se barre. Kassos. Merci. Parfait. Ok. Très intéressant. Du coup. Tac, tac, ça c'est quoi? Ok, ça.
T'as pas de truc, mais tu peux tout seul, tu peux nous faire très mal déjà. Hein. Il y a depuis non, pas depuis là, y a rien malheureusement. Donc tu viendrais en général contre notre gars. Non, mais pour le moment, on va pas aller chercher la bataille. Ouais, vous voyez qu'il y avait 12K derrière, donc c'était juste. Et pas chercher la bataille pour chercher la bataille. Allez, vous en prenez ce que vous voulez pour le moment. Nous, on va juste. Ok, ça c'est. Non, tente ça devrait passer, ça quand même. Voilà, parfait. Bon, on prend l'objectif de guerre. Ok. On se divise en deux. Toi, tu vas prendre ça qui nous revient. Encore une fois, on veut juste ça. On n'est pas loin de pouvoir le prendre. Est-ce que il pourrait être intéressant quand même d'essayer de donner quelque chose à notre pote? Actuellement, ouais, confiance, moins 20. Il serait effectivement intéressant de leur donner aussi une province. C'est de loin pas infaisable, hein, que les choses soient claires. Ça devrait même être assez facile et ne pas nous demander beaucoup de sacrifices, a priori. On va juste prendre ça. Et puis, ce qui serait intéressant, c'est effectivement. Toi, tu fais. Ah, tu fais ça, d'accord, c'est une idée. Tu veux quoi, Gaillard? Tu veux Adoti, ça te va, a priori. Donc, si je te donne Adoti, c'est bon. Ça ne doit pas poser de problème. Ok. Let's go. Ça va prendre un petit moment, mais c'est pas grave. Ouais. Ok, bon. Bon, eux, ils vont de ce côté-là, c'est bien. C'est bien, bon boulot. Bon boulot, les mecs. Vous n'avez pas forcément servi à grand-chose, mais vous avez viré le siège. C'est super. Ok. Allez, Adoti, voilà. Ok, tu vas aller prendre ça maintenant. D'accord. Non, tu vas prendre le truc. Ok. On peut perdre un peu d'argent, c'est pas un souci. Allez, avant que tu reprennes l'objectif de guerre, qu'on garde notre score. Parfait. Kalinjar. Et ok. Ok. Là, il a fait du bon boulot, Kalinjar, mais il veut pas la province que je veux lui donner. Tu veux quoi alors? Tu veux rien. Mais tu veux ça. Pourquoi tu veux pas ça? Tu veux ça. Tu le dis clairement. C'est. Enfin non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Pardon, c'est pas le bon truc. C'est pas la bonne map. Je suis un idiot. Pardon, autant pour moi. Ok. Tu veux ça. C'est un fort, ça. C'est un fort, ça. Ok, bah let's go. Ça va prendre un peu plus de temps. Mais j'ai envie de garder cette alliance parce que je veux pas perdre. Je veux pas les avoir en face de moi dans la guerre après avec les autres. Donc malheureusement il faut prendre ça. Et puis là on est en train de se faire occuper la moitié du pays par des Mérovingiens en colère. Moins 21% sur notre capitale. Oh sérieux? Comment ça? Comment ça, comment ça, comment ça? Quoi? Attends, si tu vas là, normalement. Pour aller là, non? Là. Ok. Là, tu dois pouvoir aller là. Non! Qu'est-ce qui se passe? Notre capitale qui va tomber? On a pris ça. Ça, c'est dans la zone de contrôle de ça. Là, on est dans zo aucune zone de contrôle. Enfin, c'est aussi dans la zone de contrôle de ça. Bug de zone de contrôle. Puis là, c'est dans la zone de contrôle. Bon, ben voilà. Bon, ben, GG. GG. On va perdre notre capital là-dessus, les gens.
Ouais, bah voilà, on a perdu notre capitaine là-dessus. Ah bah ouais, évidemment. On a plus de bateaux non plus. On s'en fout un peu des bateaux, cela dit. Bon, Kozef. Ok, puis bah maintenant il faut qu'on reprenne notre capitale, quoi. Ça qu'on a. Ah, c'est eux qui ont pris des. Ok, très bien. Ok, ça c'est cool. J'ai vu des mercenaires, j'ai eu peur. Mais c'est de notre côté. C'est parfait. Tout ça parce que ces glands, ils refusaient la province de base, là. Allez, go, 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 faut que ça tombe. Allez. Yes. Ok. Alors. Yes. Très bien. Des war rep seront plus intéressantes que de l'argent. On prend quand même de l'argent par principe après. Parce qu'on n'a pas tellement de raisons d'avoir d'autres guerres contre eux. Et Kalinjar, on va peut-être même gagner des faveurs avec ça, non? Une faveur. Non, tant pis. Los, merci. Tout ça pour ça, hein. Ok. Alors. Légitimation. Ok, baisse. On peut prendre ça. On va pas le prendre pour le moment. Ouais, c'est clairement pour éviter le pillage de la capitale que j'ai arrêté la guerre avant, hein, que les choses soient claires. C'était le seul truc. Tac, tac, tac. Ok, on a plus de bateaux. C'est vrai que c'est embêtant. Financièrement, c'est pas exceptionnel, mais on peut éventuellement virer un des Gus là. Répute diplomatique peut être intéressant. Si je déclare la guerre à un garçon là, comment que ça fonctionne? Toujours trop de dettes. Et mon allié vient en guerre contre moi. On pourrait lancer une autre guerre pour les faire venir dedans. Peut-on, cela dit? Non. Ok. Donc il nous faut un autre allié contre Delhi. On a bientôt le Népal comme allié potentiel à part ça. Ouais, carrément, let's go. Ça peut être très intéressant. Ah mais il est allié, non? Il est allié à Delhi, ouais, bien sûr. Ok. Delhi est quand même, à mon avis, la plus grande puissance de la région, je pense assez nettement. 56 000 troupes, potentiellement 63. Nous, 23. Ouais, non, c'est ça. Mais ça va être compliqué. Ça va être vraiment très compliqué. Parce que le problème de la guerre contre Delhi, c'est que. Faut vraiment. Je sais pas. Je sais pas comment on va pouvoir faire. Je dis pas, encore une fois, hein, je dis pas que c'est pas gagnable, je dis que ce sera compliqué dans tous les cas. Je dis juste que en 10 ans, ça va être quand même assez chaud. Ok. Timmy a encore des rebelles. Timmy, non! On peut les faire venir maintenant, c'est presque sûr, en remboursant leurs dettes, tout ça, tout ça. On n'a pas de CB par contre. Bon, déjà, première étape, hein, bien sûr. Après, il faudra presque 100% de score de guerre contre Delhi, hein, pour bouffer tout le tintouin. Tout en faisant bien gaffe à ce que Timmy nous. Il faudra attaquer Cyrinde à part ça, hein. Il faut Cyrinde aussi. Bon, c'est pas le souci, hein, on est d'accord, c'est pas le souci majeur, Cyrinde, mais quand même. Les séparatistes, quoi, by the way. Patialis. Ok, si tu veux. Faire venir Kalinjar sera très compliqué. Ne pas qu'il vienne dans la guerre contre Delhi serait déjà un petit exploit en soi.
Déclarer la guerre au Baloutchistan. Ouais. C'est pas idiot du tout. Le problème, c'est qu'on pourrait pas rendre des lits co-belligérants, sinon ça enlèverait tout et je pense pas qu'on puisse tout prendre. Il faudrait prendre 1, 2, 3, 4, 5 provinces. Est-ce qu'on y arrive s'ils sont pas co-belligérants? Hmm. 500%. Ouais, je sais pas. Puis on les no CB après. Enfin, on les no CB, on les truce break. C'est hoche quand même. C'est vraiment hoche. Vijayanagara s'est fait défoncer. Mais c'est bien fait pour ta mouille, mon gaillard. C'est vraiment bien fait pour ta mouille, je vais être honnête. T'es capable de venir, genre, chez nous, au lieu de t'occuper de cette guerre-là. Ce qui était quand même la logique du truc à faire. Hein. Mais effectivement, j'aime bien l'idée des Baloutches, c'est pour ça que je suis en train de refaire une revendication, parce que notre revendication va bientôt trépasser. Bien ça. Dans tout ce que ça a proposé, c'était bien. Je sais, Delic, t'en peux plus. Tu te dis, mais pourquoi? Est-ce que Sindh n'est plus mon allié? Et en fait, c'est parce qu'on veut te bouffer la gueule, c'est un peu ça. La province de Nassarpour va passer sous le contrôle des émirs. Ok. Ceci est loin d'être souhaitable. Ou alors, les émirs perdent de la loyauté. Et en plus de ça, on a une possibilité d'avoir des rebelles quelque part. Ça pourrait être intéressant que les émirs aient... Ouais, bien que... Là, c'est un peu embêtant. Le maître de la monnaie est mort. Ok. Go avec ça pour le moment. Bon, de toute façon, on est limité pour le moment par nos CB, donc on va faire ces revendications. Ça monte très lentement chez Delhi ou c'est moi qui rêve? 6,45. Ça m'a l'air d'aller quand même. Ça monte vite par contre chez les Baloutches. Delhi a une meilleure défense contre l'espionnage. Défendu avec une efficacité de 126%. Effectivement. Embêtant. Ouais, la trêve serait de 5 ans, quoi. Même, plus 5 ans, plus chaque alliance, plus un an pour chaque alliance qu'on vire. Il nous reste 10 ans pour atteindre notre objectif. Donc, ouais, ce serait un peu hoche. Je pense que ça joue. Je pense que ça joue, franchement. Les points ennemis, ce sera pas un problème. Ce sera pas le limitant qu'on aura de ce côté-là, je pense. Ouais, faudra voir quand même, parce que j'ai un peu l'impression qu'il faudra attaquer Delhi pour attaquer Delhi. Bon, le problème, c'est que si on attaque les Baloutches, même si on fait venir les Timurides, il y a la Théo qui vient avec, la Théo s'occupe des Timurides, et nous, on devrait s'occuper des Baloutches, ok, bon, ça devrait aller, et de Delhi tout seul. Ça va quand même être méga hoche. Je sais pas trop comment ça marche, honnêtement. On peut pas non plus faire venir Kalinjar, à qui on peut pas promettre de terre en attaquant les Baloutches, et à qui on a de loin pas assez de faveur. On aurait peut-être pu essayer de leur donner plus de faveur dans la dernière guerre, c'est vrai. Ça aurait été intéressant. En modification nationale d'impôts, c'est pas top, mais financièrement, pour le moment, tout roule, donc pas de soucis. On était à 55% de buff de modification d'impôts, hein. Nous, on est à... Mais quand même, hein, moins 35% hein, pour le moment, c'est quand même violent.